Le maître te dit, si tu pètes plus haut que ton cul, le samba te remettra les pieds sur terre. Tu ne pourras plus croire que tu es parfait. Bonjour. On vous voit. Ah, moi je te vois en tout cas. C'est pas très joli. Hein. Oh, putain. C'est pas très joli. C'est un sport de combat. J'en faisais, ouais. C'est ça, je me débrouille. Le canoë kayak, c'est pas un sport de combat. Ah, ouais. Mais je faisais sport de combat aussi. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il est iranien et du coup, il. Enfin bref, on va pas raconter toute sa vie parce qu'enfin. Ah, on aura pris un peu. Peut-être enfin, qu'il bon. Aura des problèmes avec la justice et ce serait dommage. À l'époque païenne, le carnaval et son brouhaha, c'est le réveil de l'ours. Le gardien des âmes. L'ours mange énormément avant son hibernation. Il mange le plus possible, jusqu'à l'absorption des âmes des morts. Au terme de son long sommeil, au chant du printemps, il sort de sa grotte et offre au vent ses flatulences. Il libère ainsi les âmes qu'il gardait en lui. La fête permettait aux gens de sortir de la solitude de l'hiver, de les rassembler. We'll be right back.
Avec le temps, le maître apprend à lire les personnes dans leur approche de l'instrument. Il n'est pas psy, comme il dit. Il apprend juste à mieux t'orienter dans la musique, à t'intégrer dans le mouvement du groupe. Il ne faut pas perdre la raison. Nous sommes et demeurons musique. Notre objectif, notre foi, c'est le samba. Ben Mathieu, ben ça fait 11 ans moi, que je suis arrivée chez Alegria et c'est lui qui m'a expliqué, enfin qui m'a appris en fait ce que c'était le samba, parce que j'ai même appris que c'était masculin, parce qu'au Brésil c'est « ou samba ». Quand bien même les noms masculins se terminent par un O, c'est une exception. Donc le samba, c'est masculin. Et c'est grâce à lui, finalement, que j'ai eu plein d'informations par rapport à cette musique et que moi, je me suis vraiment passionnée. Mathieu, c'est celui qui m'a fait connaître le samba, qui a rassemblé mon groupe de copains une fois qu'on avait fini nos études et du coup, qui m'a... On va dire aller avec le samba et avec le fait qu'il ait rassemblé mes groupes de copains, pas forcé, mais motivé à rester à Tours. Parce que sinon, j'aurais peut-être sûrement changé de ville depuis longtemps. Pour aller où ? Pour aller là où vent me porte, j'avais pas spécialement d'envie, mais peut-être que le travail m'aurait fait bouger et du coup, j'aurais peut-être. Disons que le groupe de copains serait peut-être un peu éclaté. Donc le samba, c'est ce qui nous a permis de nous rassembler et du coup, bah, Mathieu, c'est lui qui nous l'a appris, quoi. Mathieu, c'est quelqu'un qui en sait énormément sur tous les instruments et à qui on peut en faire confiance sur les conseils, en fait. Sous un air décontracté, il y a beaucoup d'exigences. Donc voilà, ça met un peu de pression, mais c'est de la bonne pression. Non, je pense que Mathieu, c'est un bon maître qui sait motiver les gens, voilà, qui sait être un peu plus... strict, entre guillemets, quand il y a besoin. Mais voilà, sur les carnavals, ça rend, je pense, à mon avis, toujours bien. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est pas si simple, mais c'est un truc que j'essaye de pas faire peser. C'est-à-dire, il y a la musique dans laquelle je suis le chef. Donc, j'en assume tout ce que ça veut dire, notamment les échecs. Parce que c'est les trucs qui sont les plus durs à accepter, mais n'empêche que bon, bah, le groupe, quand il foire, c'est pas à cause des autres, hein, c'est toi le chef, donc c'est à cause de toi que ça a foiré. Et après, bon, bah, ça me donne le droit de jouir pleinement des succès. Parce que bah, si ça a marché, c'est grâce à nous tous, et bon, bah, le chef, il a dû bien faire son taf. Tu acceptes d'être une fourmi dans cette fourmilière musicale. Et tu ne brilles pas plus que ça, mais tu en tires une fierté. C'est l'élévation de l'être humain dans l'échange avec son semblable qui est en jeu. Le samba et le carnaval, c'est vraiment un endroit, ça aurait pas pu exister, ça n'aurait pas existé, tu vois, si tout ça, ça avait pas, si c'était pas un joyeux mélange, tu vois, qui c'est qui a des costumes à plumes extravagants, des machins, des bidules et tout, ben c'est les natifs de, tu vois, c'est les peuples natifs du continent sud-américain, c'est eux. C'était leur façon de s'habiller, super impressionnant, avec à certains moments des peintures de guerre, des peintures de prière, des peintures pour... Voilà, pour le coup, il y a des rythmes, il y a des danses, il y a des chants, il y a des costumes pour tous les événements de l'année.
Ça rencontre le carnaval. Mais c'est africain, le carnaval. Ben non, le carnaval, c'est un truc ancestral, tu vois, de là, d'ici, d'Europe. Tu vois, donc le carnaval, c'est bien le portugais, pour le coup, l'européen qui emmène le carnaval en Amérique du Sud. La caisse de guerre, le tambour de guerre, bon, ben ça, c'est pas africain. Rien que son nom, ça t'indique bien d'où ça vient. Ça, c'est le truc pour faire marcher les soldats au canon, tu vois. Et puis, bah, c'est clair que les tambours, bon, bah, comme ça, sur le papier, c'est sûr que c'est pas d'ici. Hein. Là, pour le coup, ça vient d'Afrique. Les rythmes entêtants, transcendants, tu vois, c'est l'Afrique pure. Je suis danseuse. À la base, je jouais de la caisse et je me mets cette année au tambourine. Caisse. Ouais. Bon, on m'a toujours mis de côté. J'ai essayé la caisse. Ça a pas marché. Après, j'ai essayé le sourdo. C'est les gros tambours qui font boum boum. Ça a pas marché non plus. Je me suis fait engueuler par Mathieu plusieurs fois. Le répinique après, mais ça fait mal à la main. Ça m'a vite fait chier. Il y a le tambourine. C'est un tambour soi-disant magique parce qu'on peut faire, 4 coups avec juste une baguette. Quoi. Et donc c'est complètement dingue comme instrument. J'ai essayé aussi la petite guitare brésilienne, le cavaquinho, mais ça n'a pas marché non plus. La directrice des tambourines, bah, c'est moi qui m'occupe de faire le relais dans la batteria concernant la section des tambourines. Okay. Qui est un instrument qui a plus de choses à faire, de dessins, d'arrangements par rapport à tout le groupe. Alors, moi, je joue du tambourine, c'est la deuxième section derrière les chocailles. Alors, à l'origine, je jouais du chocaillo et maintenant, je joue du sourdo de première. Il y a un artiste de Salvador de Bahia, donc là qui est une tradition que nous on copie pas. Ici on est, tu vois, plutôt sur ce qui se passe à Rio, mais bon, moi je suis quand même intéressé par tous les artistes du Brésil, tu vois. Et donc lui, cet artiste s'appelle Carlinhos Brown. Il a monté un groupe en fait. Tu vois, souvent c'est les jeunes hommes qui rentrent dans une mafia. Là-bas, ça s'appelle des commandos. Évidemment, dans les commandos,
l'essence du commando, le pétrole du commando, c'est la cocaïne, c'est le trafic de drogue. Et donc, énormément d'argent, une certaine forme de pouvoir, et après, des organisations vraiment type ce qu'on peut faire comme idée, des gangs mexicains ou des choses comme ça, donc très puissants, qui arrivent à contrôler des quartiers entiers, où au bout d'un moment, la police, elle ne peut même plus venir. Donc ça, on en a entendu parler il y a quelques années, parce que pour le coup, à Rio, pour nettoyer Rio pour les JO, ils ont envoyé donc des fois l'armée, des fois les parachutistes ou l'équivalent du GIGN pour déloger les gangs. Et donc, son idée à Carlinhos Brown, c'est pour que les jeunes ne tombent pas dans les gangs, c'est de faire un gang lui-même, mais un gang de percussion. Et un gang qui va dans les endroits où les gangs, ils ont leur territoire, et d'envahir, en fait, mais avec les tambours. Tu vois, et que momentanément. Tu vois, hop, et ils arrivent en courant, bam, ils jouent et tout, ils repartent en courant, en chantant et tout ça. Espèce de commando de percu, tu vois. Et ça, vraiment, je trouvais ça génial comme idée, parce qu'effectivement, tu vois, c'est là où ça rejoint ton truc, enfin, ce que tu disais sur le côté militaire, c'est que, là, tous ces gens-là, ils pourraient aussi s'inscrire réservistes à... Tu vois, aujourd'hui, c'est d'actualité, tu vois. Ils pourraient aussi être réservistes de la gendarmerie, apprendre à tirer et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Là, on serait une brigade, déjà, tu vois. Il y a moyen. Mais bon, nous, on est pacifistes, ça ne nous intéresse pas, tu vois, de savoir manier les armes. On préfère savoir manier le tambour. Ça n'a pas toujours été comme ça, parce que, comme moi, c'est la batterie, je l'ai fondée. Donc, c'était un bébé. Pour moi, un tout petit bébé, tu vois, qui était vraiment comme un nourrisson. Donc, il y a une époque où c'est clair que tu n'approchais pas le nourrisson et puis tu n'allais pas en faire ce que tu voulais, surtout si c'était pour pas aller dans une direction qui me semblait concerner tout le groupe et son développement. Ou avec des choix politiques aussi, où des fois, on a été face à des choix politiques où moi, non. Je veux pas qu'on emmène le groupe dans ça, parce que c'est pas sa place, quoi. Notamment, on a refusé de faire des choses pour des partis politiques. Et c'est assez rare qu'à l'échelle du groupe, on prenne position pour une cause. On prête les instruments pour que les individus du groupe, ils aillent défendre une cause, ça c'est possible. Par contre, que le groupe, il prenne position, c'est pas vraiment sa place. Sauvage ou domestique, lequel serais-tu ? Un oiseau, n'importe lequel. Un koala. C'est trop mignon, c'est tout doux. Écoute, je dirais bien le tigre. Un chat ? Je serais une chatte, évidemment. Bah oui, non mais c'est sûr. Hein. Domestique ou... Oui, non mais oui, domestique. Plutôt domestique. Un albatros. Un oiseau qui peut vivre 70 ans, qui fait je sais pas combien de fois la distance Terre-Lune dans sa vie. Et c'est magnifique, ça voyait les 10 premières années de sa vie en mer. Ça fait plus de 3,50 m d'envergure pour les plus grands. Puis c'est magnifique en fait, c'est magnifique comme oiseau. Plutôt Bugs Bunny ou Roger Rabbit ? Ah, bonne question. Mais plutôt Roger Rabbit. Ouais, quand même. Même si j'aime bien Bugs Bunny, quand même. Regarde, ça c'est du sang, ça. C'est du sang. Tu vois le sang, là ? Ça c'est du sang, ça. Ça c'est du sang de l'effort. Ça c'est du sang de la musique, ça. Ça, nous, on joue de la musique avec du sang. Ça sent de là, ça sent de là. Nous, c'est notre corps qui joue.
Nous jouons pour célébrer le présent, nos amitiés, nos penchants pour les rythmes, le regard du peuple, les envoûtements des plumes qui percent le vent. Samba. Tu lui donnes, il te rend. Le maître nous dit qu'il faut aller là-bas, à Rio, pour saisir l'essence de ce que l'on fait. Il nous dit que l'on peut être trop appliqué, et parce que l'origine de notre son est africain, que l'on n'est pas assez africain. La technique ne suffit pas. Il faut être témoin de la force originelle. Il nous manque quelque chose, mais nous courons après cette chose. Elle nous porte partout. C'est une forme de décontraction. Thank you.
Alegria est une planète, la planète de la joie, qui voyage dans les rues. Un objet vivant et massif qui percute les esprits vagabonds pour les réveiller. Les différents éléments de cette planète sont essentiels à sa survie, à ses voyages, aux rêves qu'elle libère. As-tu un rêve à réaliser ? Alors, un rêve à réaliser ? Mon rêve que j'ai depuis longtemps, c'est de voir tous les pays de la Terre. Il y en a plein. Il y a plein de rêves. Si c'est celui qui est en rapport avec le samba, je dirais aller à Rio. Tout le monde a un rêve. Moi, le mien, ça serait de faire le tour du monde à poil. Plutôt couette, couverture, drap, sac de couchage ? Bah, ça dépend de la saison, hein. Couette, une bonne grosse couette. Couette, plein de couettes. Plein de couettes. Plutôt nu. Ouais, complètement nu. J'aime bien dormir nu parce que on se sent libre. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, quoi. La liberté. Liberté.